Bonjour et bienvenue, on est de retour dans un nouvel épisode. J'arrive même plus à former mes phrases, moi. Nouvel épisode de Phoenix Point. On va continuer nos péripéties. Il y a encore une nouvelle... c'est quoi? C'est une tanière qui vient d'apparaître. Donc on a toujours notre bonne vieille petite copine, la Scylla, qui est bien au chaud dans un lieu de confinement. J'ai aussi récupéré d'autres bases et du coup j'y suis allé un peu fort avec les snipers. Bon, j'ai récupéré que ça, mais c'est vrai que ça fait un peu de récolte et tout ça à chaque fois, donc c'est cool. J'ai aussi commencé, alors je sais plus sur quelle base honnêtement, j'ai récupéré cette base toute nouvelle. Je suis en train de faire satellite, l'usine de fabrication est en train de se faire réparer. Repousseur de brume, etc., etc. J'ai un peu de mal avec les ressources parce que ça part vite, ça part extrêmement vite. Je voulais même augmenter un peu mes soldats, mais bon, honnêtement, les ressources elles suivent pas pour le moment. J'ai voulu privilégier quand même les bases. Mais il y a une chose que j'étais en train de me demander, parce que quand on regarde par exemple les refuges, genre là, si on regarde, il y a cri approvisionnement alimentaire, production alimentaire 6000, refuge à proximité pardon, 3000. Et là, on voit population sous-alimentée, mort de faim par jour, etc., etc. Si on développe des... Alors, attendez, est-ce que je suis en train d'en faire quelques-uns à différents endroits que je vous montre. Repousseur de brume, repousseur de brume... C'est où que j'en fais? Ah oui, voilà, par exemple là. Production alimentaire. Si on fait ça, est-ce que ça va compter en fait dans les refuges qui sont à côté? Genre, est-ce qu'on va partager tout ça? Parce que j'étais en train de me demander ça en fait. Est-ce que ça aiderait à garder les gens en vie? Donc voilà, j'ai pensé à ça. En tout cas, je suis en train d'en faire quelques-uns. Donc un seul, c'est 8 personnes, je crois. Attendez, qu'est-ce que ça dit? Oui, ça... Ça génère suffisamment de nourriture pour 8 soldats. Donc bon, nous on en a 41 quand même. Mais voilà, j'en ai fait quelques-uns. Je crois qu'il y en a 3 qui sont en construction. C'est pas trop cher à faire, mais... pour que ça soit rentable... Enfin, honnêtement, 200 matériaux, ça va très vite. Hein. Pour que ça soit rentable, il en faut quand même beaucoup. Parce qu'on a quand même beaucoup de soldats au final. Donc voilà. Mais ouais, je voulais en faire quelques-uns. Pour un peu amoindrir le coût là, en moins qu'on a à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a aussi? Arosa, je lui ai finalement pris le tireur à longue distance. Donc avec elle à tout moment maintenant, elle aura le fusil de précision neurale aussi. Parce que vu qu'on en a récupéré un troisième la dernière fois qu'on a capturé la Scylla, du coup je me suis dit, on va enlever juste une grenade. Voilà, elle perd une grenade du Vidar et elle gagne le fusil de précision. Donc elle a lance-grenade, fusil sniper, fusil d'assaut, acide, et la mitrailleuse gosse, voilà. Et aussi, j'ai fait, bah tiens, faut que j'y pense, il y a notre Mohamed, que j'ai fait le canon, voilà. Dégâts 200, déchiquetage 20, décharge, donc encore une fois, c'est pour assommer les gens, 280. Donc, honnêtement, j'ai même pas besoin de ça. C'est combien? C'est cher. Donc, en gros, avec ça, il devrait bien fonctionner. Il devrait bien fonctionner. Là, il a quasiment tout ce que je voulais. On va lui mettre homme fort quand on pourra. Genre 20% de précision plus. Et en théorie, il devrait être pas mal. Il devrait être pas mal en tank visé. Il aura donc visé rapide pour pouvoir utiliser ça pour seulement 2 points au lieu de 3. Il aura tireur pro, donc plus 50% de précision. Avec ça, 20% aussi là. Je pourrais même lui mettre ça, mais il perd en dégâts après, donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais voilà, il peut être sympa. C'est la personne qu'on avait sauvée, si vous vous rappelez. Ils étaient déjà niveau 7 avec des stats complètement abusés. Donc voilà, je veux tester ça avec lui. Donc ouais. En tout cas, on va avancer un peu. Parce que... Alors je vais regarder si mes vaisseaux, ils sont tous en déplacement. Il y en a qui sont plus en déplacement. Parce qu'en fait, bah, j'ai
plus grand chose. J'ai pas vraiment de ressources en fait à échanger non plus. Donc ouais. Par contre, on va finir ça. Ashes to ashes, nothing but a myth. You have struggled with stupidity at every turn, suffered betrayals that brought humanity to the brink of extinction. Yet you can't see the obvious. Humanity cannot be saved without total transformation. Without total transformation! Without becoming pure. 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 Who do you think the savior should be? West. The coward West hiding behind his walls? The abominations that spread the disease? Or the idiots who think we should embrace the infected and live with them as pets? No. The cure will cleanse the world and all flesh that opposes us will melt away. The festering pits of rot and decay will be forgotten and a new order forged from blood. Blood! And titanium will rise. If the Phoenix Project thinks it has the strength to stop us, that's your foolish fantasy. You know where we are. Come if you dare. Research complete. Donc voilà, c'est parce qu'on a la dernière technologie en fait de Bionic. Et du coup, les purs, ils sont pas très contents. Ils sont pas super contents. Alors, après une intégration réussie du développement de nanorobots, du Synédrion à la production bionique actuelle, des implants d'une plus grande agilité avec des propriétés de mélange de couleurs ont été fabriqués. Avec ces implants, les individus bénéficient d'une plus grande sélection d'actions, ainsi que d'un effet caméléon qui le rend plus difficile à détecter en combat. Donc on a récupéré ça, et on a eu ça aussi, la grenade de Zeus. Donc ça fait des EMP, donc j'ai regardé, en fait ça fait directement des dégâts à tout ce qui est électrique. Donc c'est 60 de dégâts, et c'est une grenade, donc je crois que ça peut faire 60 de dégâts à n'importe quelle partie du corps. Enfin à toutes les parties du corps que ça touche. S'il y a de l'armure par contre, ça, c'est moins. Genre s'il y a 20 d'armure, bah, du coup vous ferez que 40 de dégâts. Je crois que ça marche comme ça. Donc voilà. Nous avons reçu un message du sujet 24 via un canal crypté. La triangulation satellite a découvert une anomalie électromagnétique à la source. Sa structure semble être artificielle. Donc on a trouvé. Good move, Phoenix Project. You think you can beat us at our own game? Tobias West fought the same way, and look at him now. Trembling behind his walls and adjutants, terrified of every sound in the dark. You'll be like that soon, and you'll never know when that sound turns out to be us. Ok. Donc ouais, on a les méchants robots qui sont là. Non, pas qui sont là. Forteresse bionique, elle est juste là. Et on a juste Helios 1 et 2 qui est là. Ouais. Alors, on peut faire du coup les grenades. On va regarder un peu ce qu'on a débloqué. Donc on peut faire les grenades. C'est une heure, hein, bien sûr, c'est juste des grenades. C'est pas, ça demande pas trop. On peut en faire quelques-unes si on va faire le dernier combat. Je pense que c'est le dernier combat du DLC. On va en faire 4 de grenades. Voir si ça peut aider. J'en sais rien, en fait. Je sais pas ce qu'on va combattre, hein, j'ai jamais fait. Donc je sais pas trop. On va faire 5. De toute façon, le temps qu'on aille là-bas... c'est pas long. Là, il y a au moins 3 heures, 4 heures, je crois. On va regarder, par contre, ce que ça nous donne. Donc, augmenter. Ça y est, maintenant, on a la dernière ligne. Donc, on a la tête d'écho basée sur la physiologie de la tête de Triton. L'augmentation de tête d'écho est capable de produire un champ de suppression sonore qui rend toutes les armes utilisées par le soldat silencieuses. Donc on a vision nocturne, aucune pénalité dans les environnements sombres, parce que normalement quand on est pendant la nuit, hein, parce qu'il y a jour et nuit dans le jeu, on a moins 50%, enfin c'est divisé par deux quoi, notre perception. Donc du coup ça agit par exemple sur le retour du tir, ou alors de voir les ennemis, et là il n'y aurait pas de malus, donc c'est pas mal. Et après on a surtout écho silencieux, toutes les attaques avec les armes sont silencieuses. Par contre, il n'y a pas de précision en plus, il n'y a pas de furtivité, rien. Enfin, si, il y a furtivité 10, pardon, mais il n'y a pas de précision en plus. Genre, si on veut de la précision, il faudrait aller sur celui-là. Plus 12. 12%, c'est quand même vraiment pas mal. C'est bien.
Je pense que, enfin, beaucoup de gens l'utilisent parce que ça fait écho silencieux. C'est vrai que les snipers, en fait, font beaucoup de bruit. Et en théorie, s'ils entendent pas vos tirs, ils peuvent pas vous voir. Il faut vraiment qu'ils soient, genre, proches de vous et qu'ils vous voient des yeux, en fait. Les ennemis, il faut qu'ils vous voient vraiment. Parce que des fois, quand ils vous entendent tirer, je crois qu'ils peuvent savoir où vous êtes et du coup, vous êtes bah, repéré. Donc vous êtes plus, vous savez, concilié là, avec l'infiltrateur là. Ah, donc on a plus ce bonus de 50% de dégâts par exemple, assez rapidement. Donc en théorie, il faudra à chaque fois utiliser des points de volonté pour se remettre. Oh, je vais arrêter de parler, je vais juste vous montrer les habilités. Parce que je suis en train de me perdre dans les explications. En fait, il faudrait réutiliser ça, en fait, disparaître assez souvent pour se remettre du coup. Ben ils le disent pas. Du coup, ouais, bon, ne pas être détecté, comme ça vous avez attaque furtive. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et peut-être qu'avec cette augmentation, du coup, ben, ça arriverait moins souvent. Tout simplement, on se ferait moins voir. Donc bon, c'est. Je pense que ça peut être bien, mais bon, on perdrait un peu de précision. Ça fait un peu chier. 14 d'armure. Ouais, je sais pas. Bon, bref. On passe au suivant, parce que je perds trop de temps à vous expliquer juste un petit truc. Le torse de vengeance. L'augmentation de torse de vengeance est axée sur l'efficacité en combat rapproché et permet aux soldats d'utiliser une série de techniques martiales sophistiquées sans aucune maîtrise préalable du combat au corps à corps. Donc ça, c'est le torse en fait qui est complètement pété si vous voulez faire un Terminator en fait. Donc armure 22, c'est bien. Bon, il n'y a pas de vitesse par contre, il y a de la furtivité, ce qui est cool. Et il y a maîtrise des armes de contact. Maîtrise des armes de contact. Les attaques au corps à corps coûtent 1 PA de moins, au minimum de 1 PA. Donc ça ne peut pas être 0, évidemment. Donc du coup, en fait, au lieu de coûter 2, ça va vous coûter 1. Et du coup, vous n'avez plus besoin du Berserker, en fait. Vous n'avez plus besoin de l'habilité du Berserker qui est le boost d'adrénaline, là. Et du coup, vous pouvez tout le temps taper pour 1 PA. Et c'est là que les gens ont créé donc le mastodon mélangé avec l'assaut. Donc c'est ce qu'on a nous en préparation, hein, qu'on va sûrement faire un jour ou l'autre juste pour s'amuser. Il est là, c'est Jamal, je crois bien. Jamal, il a... faudrait même lui mettre courir, tiens. Jamal, il est plus ou moins prêt, il n'y a que cri de guerre qui n'est pas très très utile. Mais bon, c'est fait maintenant. Mais voilà, Jamal, il est parfait. Jamal, il est bon pour le combat. On a donc... Liquidation rapide, on va avoir spécialité au corps à corps, donc 20% de dégâts en plus. On va avoir ça, insouciant, donc on se dit dégâts en plus, de dégâts, et après il a bagarreur. Et vous lui mettez une arme de corps à corps et ça va faire très mal, hein, tout simplement. Je sais pas si on peut voir les dégâts. Non, on peut pas voir les dégâts si je lui mets dessus. Non, bah, non, il faudrait le voir en jeu en fait. Mais voilà. Et du coup, lui, vous lui mettez par exemple ça, comme ça il va taper pour un seul point d'action. Et du coup, il va pouvoir aller genre faire courir, taper, courir, taper. Enfin voilà, il pourra aller très loin, très vite, comme d'habitude, quoi. C'est ce qu'on fait en fait avec Garcia, mais là c'est différent. Et lui, il pourra utiliser ses habilités qui coûtent des points de volonté, par exemple. Parce que Garcia, lui, il peut pas. À chaque fois qu'il est sous adrénaline, il peut plus utiliser ses points, par exemple. Mais bon, c'est pas très grave, mais voilà, c'est ça la différence, en fait. Donc voilà, c'est assez intéressant, mais ouais, faudra tester. Faudra tester. Après, nous avons les jambes de mirage. Donc, conçues pour courir sans faire de bruit, les jambes de mirage permettent aux soldats de passer en courant dans les zones observées sans se faire détecter ni se préoccuper de la vigilance de l'ennemi. Donc, on gagne pas feutré, n'active pas la vigilance de l'ennemi. C'est pas vraiment très très intéressant, honnêtement, parce que. Mais à notre niveau. C'est très rare que, genre, un Overwatch, en fait, nous fasse vraiment des dégâts, j'ai envie de dire. Même les retours de tir, là, genre des assauts, même ça fait pas extrêmement mal. Ça le fait mal, en fait, sur un genre un sniper, quoi. Et encore, et à la limite, c'est même pas vraiment, quoi. Donc, ouais, je pense que ça, c'est pas vraiment très utile. Après, elles sont jolies. J'aime bien le fait que ça soit des tiges de métal, là, torsadées, là, qui se...
qui se mêlent comme ça. Mais ouais, je pense pas que ce soit très très utile. Mais voilà, on a le meilleur torse, là si on veut faire un Terminator, c'est le meilleur. Je crois que les gens ils utilisent le torse là, et après ils utilisent souvent la mutation, je crois que c'est ça, parce que ça fait vitesse 4. Bon après c'est très très fragile, hein, armure 10 et tout ça, mais vitesse 4 pour aller extrêmement loin, donc ils utilisent ça, et le corps, et après ils mettent un casque à la con, donc ouais. Moi je pense que je devrais mettre sur les snipers, je pense. Nicolas et Kerstin, je pense qu'on devrait mettre l'augmentation, celle-là. La vision nocturne avec l'écho silencieux. Je pense que ça pourrait aider. Ne pas faire de bruit quand on tire au sniper, ça, comme ça, ça fait pas venir les ennemis. Ça peut être intéressant. Ça peut être très très intéressant, je pense. C'est quoi, c'est 30 de tech? Ah, on peut le mettre. Par contre, là, il n'y a pas de retour. Hein. Comme d'habitude, c'est ça le problème, c'est qu'il y a zéro retour. Hein. Une fois qu'on l'a fait, on l'a fait. Hein. C'est pas... donc, ouais. C'est parti. Boing. Donc, voilà. Et après, Nicolas aussi. Parce que Kerstin et Nicolas, ils ont des stats de fou. Augmenter. Voilà, très bien. On peut même changer un peu leur... du coup, on peut un peu les personnaliser. Comme ça, ils auront des trucs personnalisés. Enfin, la tête ira avec, avec le reste. On peut voir. On peut en faire un en bleu. Très bien. Et Kerstin, on va la faire en, je sais pas, en vert par exemple. Voilà. Ce sont nos snipers. Voilà, ce sont nos snipers. Qui sont augmentés maintenant. Alors toi, t'as 15 points. Tiens, on peut te mettre insouciant, Nicolas. Ouais, on va te mettre insouciant. Voilà, très bien. On pourra te mettre voleur aussi plus tard. Qu'est-ce que je pourrais te mettre qui... Autant utiliser mes points. Désactiver une partie du corps, retire également son armure. Ça peut être pas mal. L'avoir maintenant. Ah, disparaître aussi, ça peut être utile. Ouais, on va attendre, on va attendre. On t'a pris le truc le plus puissant. Donc voilà. Voilà, voilà. Ce sont mes nouveaux snipers. Je voudrais bien augmenter plus de gens, mais comme j'ai dit, hein, ça coûte extrêmement cher. Même là, j'aurais théoriquement pas dû le faire, parce que ça coûte trop cher. Mais ouais. Je fais une dernière vérification des vaisseaux. Ouais, je vais faire une petite pause, je vais faire une dernière vérification. Et après, nous, on va sûrement faire, du coup, la forteresse bionique. Puis après, dans un deuxième temps, enfin plus tard, on fera guider par les rumeurs. Parce que du coup, vu qu'on a parlé des augmentations bioniques et que Alpha 1 et 2 sont à côté, autant y aller. Ok, je reviens. Ok, on est de retour. C'est parti. Poing. L'emplacement de la transmission semble être la base centrale des purs. L'analyse initiale suggère la présence de plusieurs soldats complètement bioniques. Ainsi que de sujet 24 en personne. Si nous parvenions à l'éliminer, il est très probable que le reste des purs sombre dans le chaos. J'aurais mis sombrerai dans le chaos. Mais... ok, ça marche. Alors, hop, 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 on est bon. Ok, ça marche. On a les nouvelles grenades. Les grenades Zeus. Ouais. Je pense qu'on va remplacer les grenades de feu par les grenades Zeus. Toi aussi, tu vas en prendre une. Toi, tu vas prendre ça. Après, le reste, c'est pas grave. Eux, ils sont... faudrait leur enlever les snipers paralysants, mais... Du pareil au même, c'est pas grave.
toi, on va attendre. Ouais, on a eu un souci, c'est bon. Ok, très bien. Je pense que tout le monde est prêt. J'ai les bonnes personnes, ouais. Ouais, on y va. Ouais, donc on prend les grenades Zeus parce que bon, ils nous les ont données, c'est pas pour rien. Donc si c'est le dernier combat des purs, ça va peut-être être un peu compliqué. Et puis j'imagine que le sujet 24, là, il doit être quand même assez balèze. J'ai jamais fait cette mission, hein, donc ça va être pure découverte pour moi. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Je pense qu'on devrait bien se débrouiller. Au pire, on fera comme vous savez, la mission avec Anu, là. Si on doit juste tuer des gens, autant camper, vous savez. On met les snipers, on les place bien. On met des tourelles et on attend que tout le monde vienne petit à petit. Et puis on défonce tout le monde, quoi. On va pas vraiment bouger. Il n'y a pas vraiment à bouger, en fait. Alors, les purs. Ah, ils sont un peu plus vénères ceux-là. 240, niveau 5. Ils ont des kits de réparation. Ça, ce serait bien de pouvoir les prendre. Répulsif de brume. Dissipe toute la brume dans un rayon de 2 cases pendant le déplacement. Ah, c'est marrant ça. Ils ont ça. Comment ils ont ça, répulsif de brume? Enfin, moi, j'ai. Oui, mais j'ai pareil, moi. Ouais, en fait, c'est des add-ons qu'ils ont. C'est quoi? C'est un sniper? Non, c'est un fusil à pompe. Par contre, ils ont des grenades acide aussi. Torse noir. Ouh, ok. Ah, ils sont un peu plus vénères, ouais, j'avoue. Ils sont un peu plus vénères. Bon, on va déjà se booster avec frénésie. Ok. Alors, est-ce que nos snipers peuvent faire quelque chose? Ça va être un peu chaud. Ah, lui, il me fait chier, en fait, avec son lance-roquette, du coup. Comment on va faire ça, nous? Tu le one shot carrément, quoi, presque. C'est presque du one shot, c'est bien. Ouais, faudrait monter là. Ah, attends. Ah, ok, attends. Je veux bien tuer celui-là qui est dangereux, en fait. Tu as tué? Tu as tué. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'ils vous disent, moi? Toi, tu vas te mettre... Tu vas te mettre là pour le moment. I'm prepared. Je suis en train de me demander si jamais... Genre, est-ce qu'on campe? Ou pas? Là, en théorie, ils ont rien entendu en plus. Donc, bon. On va attendre et voir si... Okay. Ça marche.
si tu vas rentrer dans un bâtiment, juste au cas où. C'est bien de les mettre tous ensemble, mais faut peut-être faire attention quand même. Pour l'instant, je vais pas mettre de tourelles par terre, parce qu'on sait pas vraiment ce qui va se passer. Ok. Si on ne sait pas trop ce qu'ils font. Après, moi, je suis tenté de... Ah, ils ont des drones derrière. Zéro. Je suis tenté de les laisser venir, mais s'ils ont des explosifs et tout, ça risque d'être un peu emmerdant. Est-ce que c'est parce qu'on a tué un... Non, c'était pas un infiltré, c'était un assaut. Celui qui était au-dessus, là, je sais pas. Qui vont tirer sur nos snipers. Je suis en train de me demander ça. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ok. Alors, j'espère que vous avez un peu plus que ça, quoi. J'ai envie... Honnêtement, on peut peut-être faire venir un technicien, mettre une tourelle sur le toit. Voir plusieurs tourelles sur le toit. Ouh, c'est quoi qui va aussi vite? Ouais, je dirais pas non. Unité d'assaut. Mastodon. T'as quoi toi? T'as un sniper laser? Ok. C'est pas mal. On va faire ça. Très bien. Regroup. Et t'es toujours en cover parce que je crois qu'ils t'entendent pas du coup. Parce que là, je crois que si je tire, même si je tue, les autres ils vont m'entendre. Et du coup, je crois que... Bah, du coup, ils seraient découverts. Si je dis pas de bêtises. Il y a un endroit où on voit quelque chose. Je pense, hein, je pense. Et le fait que ça fasse pas de bruit, ben du coup... Ben, c'est pratique. Après, il y avait un assaut ici. Ben, c'est lui, il a un lance-roquette. Ouais. Il a un lance-roquette, ça c'est un peu plus embêtant. On peut faire ça.
pas méga fan parce que j'aime bien mes tourelles. Mais... je dois bien les protéger par contre. D'accord, t'étais obligé de faire le tour. Ah oui, parce qu'il y a une chaise, pardon. On va d'abord peut-être les protéger, les tourelles, avant de... je vais refaire ça. Que tout le monde ait un bonus, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'ai envie de lui tirer dessus aux requêtes, lui. Parce que sinon, il va m'embêter. Je veux lui détruire son lance-missile. Voir un peu le... la distance de la grue. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça se tente. Ça se tente, faut un peu avancer, quoi. On va voir un peu comment ça fait. Ok. Partie du corps désactivée. Ah, ça désactive des parties du corps. Ouais, mais ça m'aide pas vraiment pour ça. C'est le torse qu'il faudrait défoncer. Après, je peux toujours juste être sûr que ça se passe mieux. On va faire ça juste pour être sûr. T'as eu quoi? Okay. Ok, ton arme est détruite, c'est bon. Ok, parfait. Vu qu'on est dans le grenade. Je sais pas ce qu'il y a là. Let's try this. Boum. Très bien, très bien. Preparing to fire. J'aurais peut-être pas dû faire ça, ça sert un peu à rien. Toi, t'as quoi comme arme? T'as juste des tourelles, en fait. Moving. On va se mettre là. Déployer leurre. Ouais, je peux pas mettre un leurre. Faudrait que je m'avance, en fait, mais j'ai pas trop envie. On sait jamais. Ok, qu'est-ce qu'il reste? S'il y a vraiment quelque chose de derrière nous, j'ai un peu peur qu'il monte. Faudrait qu'on tire des araignées aussi. Ça. Thank you.
pas mal. Ouais, faut qu'on balance un peu des araignées aussi. Qu'on voit un peu plus de monde. Parce que là, il y a beaucoup de gens qui nous tournent autour, en fait. Bon bah je regrette pas hein, le coup de l'écho là. On perd un peu de précision et tout, mais on tire silencieusement. Je pense que c'est efficace parce que mes mecs ils sont pas vraiment cachés. Et pour l'instant ils sont pas fait voir rien du tout. C'est genre ça a pas de distance. S'il faut la perturbation neurale, ça marche comme la peur en fait. Ah merde, ça va faire mal. Ah il a tiré sur les tourelles. Ah t'as de la chance que les tourelles soient trop loin et qu'il fasse nuit en fait. Sinon les deux auraient riposté. Voir ce que voient les... Ouais, ils sont toujours cachés, en fait. Tu vois que les araignées. Peut-être un peu exagéré là si je me mets là, non? Évidemment. Évidemment. Très bien. On a beaucoup d'explosifs là. Un peu trop. Je peux aller one shot? Non, je peux pas aller one shot en fait. Ouais. Ok. I'm ready. Tiens, on pourrait aller faire un petit ménage. Vu qu'ils se sont approchés. Fallait peut-être pas s'approcher.
On aurait dû lui... lui faire un peu de dégâts. Enfin, après, je peux toujours lui tirer dessus un peu. Histoire qu'il augmente ses dégâts, en fait. C'est qui, ça? Alors, il a un point de Marduk. Il a torse de vengeance. Tête d'écho. Jambier de mirage. C'est lui, 24? Peut-être lui, hein. Eh ben, on a fait un petit tri là. Est-ce que je peux? Ah, je peux. Ok, Garcia, t'as pas fini. Tu vas continuer. Genre, on a lâché la bête. Chaque fois, ça me fait penser à ça, genre on a lâché la bête. Après, c'est un peu leur erreur, hein, c'est d'avoir plein d'araignées. Infiltré. Lance-roquettes, des drones, une arbalète. Ah, ah c'est bon. Ah, il est bien ce build. Je crois qu'on a utilisé plus de ressources que nécessaire. Enfin bref, ça c'était marrant. Faut que je change les grenades, là faut que je remette les purificatrices. Bon bah c'était marrant. J'imagine que le chef c'était celui avec l'arme de corps à corps là. Il avait l'augmentation où il utilisait un seul point pour taper. Un seul point d'action pour taper. Oh. C'est limite triste. Sujet 24 a été éliminé. Ce qui restait du bastion des purs a été complètement détruit. Et sa technologie a été démontée. Nos équipes ont pu récupérer un grand nombre de lecteurs archivés contenant des téraoctets de données. Hélas, il nous est impossible de déchiffrer son code sophistiqué. Quels que soient les secrets de Sujet 24 détenés, il les a emportés dans sa tombe. Nous pouvons juste dormir tranquille, sachant que la menace des purs a été éliminée. 100 points de compétence ont été obtenus. Ouh, cool. Ouais. 100 points de compétence. Ça, c'est sympa, ça. C'est sympa d'avoir mis 100 points de compétence. Avant qu'on se quitte, je vais juste changer les grenades parce que sinon je vais oublier. Désolé. Je fais ça maintenant. Ok, ça c'est l'équipe. L'équipe 1. Grenade de feu. Grenade de feu. Voilà, 2 et 2.
ça aussi. Ah, on a récupéré ça. Grenade Imulule. Explosion 20, acide 20. C'est pas mal, ça. On les a pas, celle-là. Après, j'ai aussi des munitions pour ça. Le fusil déchiqueteur. Ça, je sais pas ce que c'est, aussi. J'ai pas, ils nous ont pas montré ce qu'on avait récupéré. Si, non. Oh, c'est pas grave. C'est pas très grave. Ok, tout le monde est bon. Tout le monde est bon. Bon, bah, c'était sympa. Rechercher. Grenade immune, il en faut deux. Ça marche. C'était très sympa comme petite histoire. On a fini par éradiquer les purs. Donc, on devrait plus avoir de problème. Donc la prochaine fois, ça sera ça. Je pense que je vais envoyer Helios 1 et 2 directement. Et comme ça, je le ferai la prochaine fois. J'ai la dissection de pas mal de trucs. Je crois que j'ai mis la dissection de la Scylla. Ouais, il faudrait que je le mette en avance. Fer toxique. Les bêtes de guerre Mutog aussi. Je voudrais les faire bientôt. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Ouais. Bon bah je suis content, c'est pas très très compliqué. J'avoue que bon, avec nos personnages, enfin avec notre équipe alpha, voilà quoi, c'est un peu difficile que ça se passe mal. Faut vraiment que je joue très mal en fait, faut vraiment que l'erreur vienne de moi, si jamais ça foire. Mais voilà, j'ai un peu peur par contre aux ressources. Bon là normalement on a toutes les bases, hein. Ce qui est bizarre parce qu'on en a 19 je crois, ouais 19. À moins qu'il y ait un chiffre qui saute, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Non, il n'y a rien qui saute. Je sais pas, ce 19 ça me paraît bizarre, pourquoi pas 20 ? Est-ce qu'il en manque une quelque part ? Je crois pas. C'est ça qui m'intrigue, je crois pas que j'ai oublié une base en fait. Donc je trouve ça un peu chelou. Mais bon, c'est pas grave. La prochaine Scylla, je vais essayer de la capturer aussi, ici. Mais je sais pas, je me dis qu'à la limite, je devrais la laisser ici, comme ça, elle attaque les refuges là. Et peut-être qu'à chaque fois, ils vont recréer... Parce que vous savez que, si vous vous rappelez, les tanières, elles se transformaient en citadelles à des moments. Et après, j'avais des Scylla dans les refuges. En gros, je crois que c'est comme ça, du coup, que ça fonctionne. Donc je me dis, peut-être que si je laisse la citadelle là, bah du coup je pourrais genre farmer les Scylla, j'ai envie de dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça donne quand même beaucoup de ressources, donc ça serait bien. Non mais je crois que j'ai toutes les bases, je sais pas, c'est bizarre. Je regarderai sur internet au pire, si jamais j'en ai pas loupé. Mais ouais. Donc ouais, c'était la fin des purs. On a fini un DLC complet. En plus je crois des armes vivantes, ou je sais plus trop quoi. On a toujours la vivisection de la Scylla à faire. Donc après, on a tombeau du savant fou. Guidé par des rumeurs. Je crois que ça, c'est les armes vivantes. La fin des armes vivantes, je crois. Je suis pas sûr. Ça, c'est pour l'histoire, la télépathie, ce truc pandorienne. Et après, on a scellé par le péché. Une urgence inattendue. Urgence inattendue aussi, il faudra le faire. Je me demande si on a... Non, je crois qu'on a fait... On a... Ça va être... Je pense que ça va être les recherches... Recherche pour un DLC aussi. J'espère qu'il n'y en a pas que j'ai raté entre temps, mais ça m'aide. Non. De toute façon, les missions, elles partent pas, elles disparaissent pas. Les missions, elles restent là. C'est juste celles qui sont timées, en fait, qui disparaissent si jamais on les fait pas, mais c'est tout. Donc, on est bon. On est dans les temps et tout, on a tout. Ah ouais, on a ça aussi à faire. Cybernétique pour déité cybernétique. Oui, faut attaquer Jericho. Mais bon, c'est pas trop grave, honnêtement, on est bien avec eux. Honnêtement, on pourrait même les attaquer eux, genre pour récupérer des vaisseaux et tout ça, mais bon. C'est pas vraiment super intéressant de faire ça. Enfin voilà, on continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé, ça avance bien. Je voudrais bien récupérer plus de ressources pour pouvoir faire des augmentations. Genre sur elle, je voudrais bien lui mettre, je sais pas, les jambes et la tête et trucs comme ça, mais bon.
pour l'instant c'est un peu compliqué. Je voudrais mettre la tête perturbatrice sur quelques-uns de mes personnages, enfin de l'équipe alpha, genre un ou deux. J'ai pensé aux deux assauts, mais du coup on pourrait plus utiliser, genre Alexander il pourrait plus utiliser la biotechnologie là, l'armure, parce que cette armure elle est complètement abusée honnêtement, donc ce serait un peu con de ne pas l'utiliser. J'avoue, c'est une armure légère, enfin moyenne, je crois, en gros, mais elle a une défense d'une mastodonte, quoi. Donc c'est abusé, et puis elle a de la furtivité et de la précision, il y a zéro malus, quoi, c'est super. Donc j'avoue, de ne pas pouvoir utiliser cette armure, ça serait un peu du gâchis. Donc du coup, je pense que Adèle va sûrement passer, parce que vu qu'elle est en assaut et une partie mastodonte, le côté assaut, je pense qu'elle, ça sera ça. Ça. Tête perturbatrice, ce serait pas mal. À la limite, j'ai pensé au corps aussi, mais elle aurait plus le jetpack. Bon, après, elle l'utilise pas énormément, le jetpack, mais bon, ça reste quand même un truc utile. Donc, ça m'embêterait de pas l'avoir du tout. Parce que je veux quand même qu'elle garde le laser, en fait. Donc, honnêtement, le corps, c'est un peu emmerdant quand on a ça. Et les jambes aussi, c'est une unité d'assaut, elle fait. Donc c'est plus 1 vitesse, 22 armure. Le bond, ça sert pas à grand chose si elle a le dash. Enfin, l'habilité de courir. Là, elle perdrait moins 1 en vitesse. Elle serait immunisée contre la gelée. Et là, ce serait. Ah, elle aurait pas feutré. Mur 20. Ouais, elle pourrait prendre celle-là, mais bon, pas feutré, c'est pas vraiment très utile. Et honnêtement, c'est pas très beau avec une grosse armure. Je la verrais bien utiliser ça. Avec la tête perturbatrice. Et elle garde l'armure de Jericho. Je dirais. Ou alors celle-là, mais bon, vitesse plus 3, ouais, c'est pas mal. Mais bon, le bon, je sais pas si c'est vraiment utile en fait. Le bon propulsé, je sais pas si c'est vraiment très utile, vu qu'elle a, elle a elle-même courir. Le bon propulsé, c'est en plus, je sais même pas si on peut l'utiliser pour monter sur un bâtiment. Faudrait que je vérifie ça. Faudrait que je teste en fait, je fasse une sauvegarde, je le prends et je teste. Je sais pas si on peut monter sur un bâtiment. Je sais qu'on peut. Faire un saut de genre de 10 cases, quoi. C'est un arc, en fait. Vous faites un bond, un petit bond. C'est comme une propulsion de jetpack, mais il va pas aussi loin. Donc, du coup, est-ce qu'on peut l'utiliser pour monter sur un immeuble? Si c'est le cas, oui, c'est cool. C'est vraiment cool. Mais si c'est pas le cas, c'est pas vraiment cool. Donc, ouais. Donc, faudra voir. Faudra tester. En tout cas, ouais, ça avance bien. Ça continue de bien avancer. Je suis très content. Et ouais, on a 100 points Phoenix. Je vais voir ce que je vais en faire. Peut-être que je vais un peu essayer de. Lui non. Mais ouais, peut-être notre Terminator là. On va faire une expérience sur lui. Sur Jamal. Jamal, on va le faire une expérience sur Jamal. Il va kiffer. Il va être parfait pour le combat. On va le transformer en Terminator et tout, ça va être marrant. Mais bon. Il faut d'abord des ressources. Allez, j'arrête de parler, parce que là, je commence à tourner en rond. À la prochaine, portez-vous bien. Ciao, ciao.